Lily, tu te réveilles en retard. Allez. Bonjour, Nina Aubert, je suis la nouvelle infirmière stagiaire. Et vous êtes restée à l'heure d'hiver ? C'est pas dans son cerveau qu'il faut chercher, c'est dans son sac à main. Vous prenez pas assez vos distances avec les patients. Je suis pas sûre d'en avoir envie. C'est quoi ton problème ? Tu veux faire le toubib à la place du toubib ? Faut te calmer parce qu'ici t'es qu'une bleue qui sort de l'école, c'est bien clair ? Si vous me dérangez avant le soir, je vous fais virer. Même si vous êtes la femme du patron. Je suis plus la femme du patron. Tant mieux, ce sera plus facile. Alors, on bite le professeur Robert. Oh, papa. Tu sais, entre le divorce, Lily, le travail, sans compter maman qui squatte la maison, j'ai plus une minute à moi. L'état du patient n'a cessé d'empirer depuis son arrivée et maintenant elle est dans le coma. Je comprends pas ce qu'il a, il y a quelque chose qui m'échappe. Vous êtes nouvelle ? J'ai commencé ce matin. Chloé a été adoptée, sa mère était stérile. Mais la stérilité, ça se transmet pas de mère en fille ? Dorothée, sois gentille, va coiffer la patiente. Ah, ok. J'ai jamais eu de stagiaire comme ça. Ni médecin, ni infirmière, mais t'es aussi relou que les deux réunis.